Bon, voilà. Hein? C'est pas trop tôt? Alors. Du coup. Voilà, faudra me dire si ça lag, mais je pense pas que ça va laguer, surtout que j'ai baissé la qualité, donc normalement. Hein? Ça lag, bon. Alors. D'ailleurs, je vais même fermer ça ici. Fermer l'aperçu. Voilà. Et là, on est dans le game là. Alors, on va juste faire un petit résumé encore. Hein. Vous me connaissez, les fameux résumés. Non. Oh. Alors, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait déjà tué les quatre filles en fait dans la version encore précédente, enfin dans le résumé précédent. Et là, on a trouvé en fait les quatre masques qui nous permettaient du coup de continuer le jeu. Sauf qu'il y avait un masque, j'avais pas trop compris parce que quand on le prenait en fait, la porte se fermait. Et en fait, on avait compris que la tête de bouc qu'on avait trouvée accrochée là où on s'était pas battu contre l'une des filles, en fait, fallait interagir avec pour enlever la tête et l'utiliser à la place du masque. Donc à partir de là, on a continué, on a pu avancer. On a trouvé une dague posée sur un cadavre dans un cercueil. Et en fait, à ce moment-là, il y a Dimitrescu qui est venu. Hein, et on lui a planté du coup la dague dans le corps. Et on a dû se battre contre elle et on l'a tuée en fait, on l'a vaincue. À partir de là, on a retrouvé en fait un bocal. On savait pas trop ce que c'était. Et puis après, sur la route, on a vu la vieille dame qui nous a dit en fait que la petite, en fait, c'était peut-être trop tard ou peut-être pas trop tard, que son destin, je sais pas. Après, elle nous a fait un petit truc genre c'est une énigme seulement pour ceux qui n'ont pas la réponse. Alors j'ai trouvé cette phrase assez badass, donc je l'ai gardée. Et sur la route, on a croisé du coup le fameux vendeur qui nous a fait comprendre que le bocal, c'était en fait la tête de la petite fille, enfin de la fille d'Ethan en fait. Tu vois, donc c'était quand même assez ouf. Et ce vendeur-là nous a fait comprendre que pour elle était encore sauvable, et pour la sauver en fait, il fallait récupérer les œufs de bocaux contenant son corps. Mais chacun en fait était donné à un noble, et du coup il nous reste, Dimitrescu faisait partie de ces nobles. Et là, il nous manque, du coup, si je ne me trompe pas, trois nobles à abattre. Voilà. Et du coup, voilà, on en est là. Et là, on est parti voir. Là, on est normalement dans une salle où une des nobles nous a piqué nos affaires. Et donc, bon, on va voir ce qui va se passer, hein, tout simplement. Bon, je ne sais pas si le résumé était good, mais voilà, c'est mon résumé. Hein. De toute façon, on peut pas. Dans la maison, baignait Vito. Et ouais. Même je caressais le bras d'une poupée où j'ai pas trop compris le délire là. Voilà, vous vous souvenez ça? Alors si ça lag ou si c'est moche, voilà, dites-le moi s'il y a un petit souci. Maintenant ça met à gauche, on dirait un truc d'extraterrestre. Hein. Examiner. Ouais, franchement, je fais des trucs étranges là. Satanique. Comment on fait pour examiner notre œil? On peut pas? Examiner la bouche, ouais. Bonjour. Est-ce que ça va, les enfants? Ouais, je suis con, et alors? Ah, faut mettre quelque chose. Non. Ah, un outil pour la saisir. Attends, rouvre ta bouche, toi. Bah écoute, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Ouais, non, c'est pas ça, d'accord. Vas-y, referme ta gueule, toi. Comment on fait? Oui, je sais, je suis vulgaire. Hein. Excusez-moi donc de ces mots si grossiers. Puissent-elles paraître? Bon. Puissent-ils paraître? On prend le français, quoi. Bon. Alors. Qu'est-ce que nous avons là?
Est-ce que je... Ah, d'accord. Donc en fait, je vais devoir me déplacer dans la maison sans armes, en fait. D'ailleurs, si t'aimes pas les trucs genre quand genre il se fait découper la main ou je sais pas quoi, je te déconseille de regarder des trucs style Saw, Destination Finale, non Final Destination je pense, non je sais plus le nom exact, je sais plus si c'est Final Destination ou Destination, non c'est Destination Finale, parce que là vraiment c'est le sadisme à l'état pur, tu vois. S'il faut arracher l'œil de quelqu'un pour trouver une clé ou je sais pas quoi. Et c'est ça de A à Z. Hein, donc, ouais, non, mais t'aimes pas regarder ça en fait ouais, sur le. Enfin, en fait, ça te dérange quoi. Ça te dérange un peu de tomber là-dessus en fait, de regarder quoi. Ce qui est normal un peu. Truc bactériologique. Attends. Est-ce qu'il y a moyen de. Peut-être qu'il y a un truc à faire, attends. Zéro 29 11. Est-ce que c'est une date de mariage? Je ne sais pas. Bon, là, je pense que. Ah, bah oui, attendez. Je pense que ça, pour l'ouvrir, il y a peut-être. Attends. Ah bah oui, c'est ça. C'était tout con. En plus, je l'ai trouvé par hasard, quoi. Bon. Mais d'abord, je vais voir ce qu'il y a ici, hein, quand même. Ah oui, ça. Ah, j'ai pas le... Parce que j'avais un objet qui ressemblait à ça. C'était un rond étrange. Sauf que l'autre, elle m'a tout piqué. Qu'il y a des trucs à trouver encore apparemment. Oui. Bon, je vais quand même passer par là. Ça, ce qui saoule, c'est quand tu peux pas te protéger, quoi. Tu vois. Cette boîte à musique est un souvenir de ma vie avec Ethan. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. Donc, il y a Mia qui est passée par là et il fut un temps. Sinon, ça n'a aucun sens. Bon. Mais en tout cas, elle est morte, donc est-ce que c'est... Je sais pas. Ou peut-être qu'elle n'est pas morte. Peut-être qu'elle a réussi à se régénérer parce qu'elle avait un truc. Parce qu'apparemment le bébé il est pas net, donc automatiquement ça veut dire que soit Ethan. Bon Ethan il est pas net hein, quand même déjà de pouvoir recoller ses membres comme il veut là. Mais peut-être que Mia n'est pas morte en réalité. Qu'elle est encore vivante. Enfin je me fais des films. Hein. Allez, referme-toi là. Les maisons trop grandes quand il y a quasiment personne dedans, c'est tellement chiant. Tu vois, une maison grande normalement. Tu vois, si je suis riche. Je vais pas m'acheter une maison ultra grande, tu vois.
Je vois, je réfléchis. Bon, après, c'est un peu la marque des riches, hein, on va pas se mentir à ce niveau-là. Parce qu'à un moment donné, c'est un moyen d'exhiber sa fortune, tu vois. Ouais, il y a tellement de trucs à trouver. Alors, souvenir de famille. Le meilleur ami de Rose, elle aime beaucoup cette histoire. Ce qui compte le plus pour nous, un cadeau de mariage offert par grand-mère, la preuve de l'amour éternel d'Ethan pour moi. Donc là, c'est encore un truc de Mia, quoi. Ou alors, Ethan nous a caché quelqu'un. Hein, petit coquin, va. Peut-être qu'il est avec quelqu'un d'autre. Hein? Double vie, tout ça, on connaît, hein. Enfin, j'espère que vous connaissez pas. Mais voilà. Bon. Ben, ok, un tourne-disque. Interagir. Alcaloïde des plantes de montagne. Non, mais les grandes maisons, c'est bien quand t'es à plusieurs. Après, ça dépend ce que tu fais, mais on va pas se mentir. La plupart des gens, quand ils ont beaucoup d'argent, ils aiment bien exhiber leur. En fait, c'est un moyen de montrer qu'ils sont riches, tu vois, pour certains. C'est une preuve de richesse, si je puis dire cela ainsi. Ok, le courant est coupé, j'ai pas la bonne clé. Que je bug dès le début quand même parce que ce serait c'est rouge, c'est rouge. Ah! Qu'est-ce que ça fait là? Comment savoir s'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place aussi? Je comprends pas trop, attends. Attends. Là, je comprends pas, moi. Attends. Alors, ça doit être par rapport aux griffures, tu vois, je suppose. Ah, attends, je vais lire le. Il y avait un papier là. Parce qu'il y a un truc qui est bancal là. C'est ce que j'essaie de faire là, je mets des fissures. Hein. Et même en mettant des fissures, en fait, ça m'aide pas beaucoup. Parce que si je mets des fissures, lui, il va là. Lui, il irait là. Bah non, je mettrais là, tu vois, et là, bim. Quoique, attends. Peut-être que là. On va faire ça comme ça, et si ça marche pas, je vais permuter les deux premiers. Mais t'inquiète, j'ai compris qu'il faut. C'est des fissures, hein.
Bon, je vais permuter les deux premiers. Non, mais j'ai pas, je veux pas rejouer ta musique pourrie là. Alors. Comme ça. Probablement c'est. Attends. Je crois savoir. Non, je fais ça. Je pense pas que ça soit bon, mais je pense avoir trouvé. Ouais. Donc, en fait, il y a des endroits où il y a des fissures aussi, mais qu'on ne peut pas toucher. Donc, ça veut dire que automatiquement, elles sont liées. Donc, logiquement, ici, je devrais mettre celle-ci. Donc là, je mettrai celle-ci. Là, les fissures vont bien. Donc là, normalement, ça devrait être OK. Voilà. Franchement, je préfère Mario qui chante du country. Là, au moins, il y avait de la valeur, quoi. Bon, attends 2 secondes, je bois mon petit café. Donc, on a la fameuse clé. Non, une pincette. La pincette, t'as vu, le gars, il retient même pas ce qu'il a vu, quoi. Parce qu'en fait, je regarde des trucs à côté. Hein. Je regarde le stream, je regarde vos messages et tout, parce que vous êtes intéressant. Là, voilà, tu vois. Là, je vous brosse dans le sens du poil. Maintenant, vas-y, lâchez des subs. Bon, j'arrête de faire le con. Plus sérieusement, du coup, avec la pincette, on va pouvoir chercher. Wow, elle est enceinte. Hein. Bon, on va pouvoir chercher les trucs dans sa bouche là. T'as vu, c'est le seul message que j'ai pu dire quoi. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Comme quoi. Alors. Voilà. Et là, avec la pince. En fait, ouais, c'est un jeu. Je pense que vous avez tous connu ces jeux là où. Il y a un marchand qui se dit qu'il faut aller chercher l'amulette magique. Et en fait, l'amulette magique, c'est dans une ville où il y a un gars qui, lui, va te demander un autre truc pour qu'il puisse te donner l'amulette. Et il va te dire, ouais, va me chercher du lait. Et en fait, le vendeur, il va te dire, ouais, mais en fait, si tu veux que je te donne ce lait, il faut que tu vas voir telle personne. Tu vois? Et bien là, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que là, maintenant, la pincette va m'aider à avoir une sorte de bande. Et cette bande-là, en fait, faut y aller maintenant dans la pièce qu'on a vue vers la fin. Enfin, vers la fin, vers le. Tiens, tiens, tiens. Attends. Je pense savoir. En fait, je pense que dans Resident Evil 7, quand on a retrouvé, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de Resident Evil 7, on pensait que Mia était morte. Enfin, Ethan pensait que Mia était morte. Et ensuite, il a reçu un message qui disait qu'en fait Mia était en Louisiane, si je me trompe pas. Et du coup, Ethan comprenait pas, mais il l'a quand même sauvée. Mais s'est passé quelque chose. Entre le moment, si elle était encore vivante, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et sauf que je pense qu'elle ne l'a pas, elle lui a rien dit en fait. Et donc en fait, il doit y avoir un délire, un bail chelou, tu vois. Qu'elle ne lui a pas dit. Et peut-être que du coup, dans le 8, on va découvrir quelque chose par rapport au 7. Tu vois? Alors, là en fait. Bon, on va démarrer le projecteur, mais je pense qu'en fait, il faut mettre ça dans l'ordre aussi. Ouais, encore. Donc, le premier, je dirais. Non, mais non, je voulais permuter. Alors, dans une histoire aussi étrange puisse être, d'abord l'alliance. Ensuite, ça, parce qu'apparemment, c'est ce qu'ils ont eu au mariage. Ensuite, ils ont eu le bébé. Ensuite, ils ont eu la poupée pour le bébé. Et ensuite, ils ont eu le livre, je pense. Il manque. Je pense qu'il faut permuter un truc. Je sais plus le livre s'ils l'ont reçu de quelqu'un ou si. Ah, mais bah oui, je suis con.
Meilleure amie de Rose. Elle aime beaucoup cette histoire. Ouais, donc en fait, ça a plus rien à en fait, ça a rien à voir, quoi. Elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour nous. Un cadeau de mariage offert par ma grand-mère. La preuve. Ok, donc. Le meilleur ami de Rose. Non! Donc la meilleure amie de Rose, c'est le doudou, en fait. Merde, merde, je voulais pas lancer. À chaque fois, je me trompe, j'appuie espace. Après, c'était. Elle aime beaucoup cette histoire, donc c'est l'histoire chelou, là, avec l'enfant bizarre, là. Alors, elle aime beaucoup cette histoire, c'est ça. Ce qui compte le plus pour nous, ben Rose. Et après ça, et la preuve éternelle, ben c'est l'alliance en fait, tout simplement. Et là, du coup, peut-être qu'on voit ce qui s'est passé avec Mia dans le 7, là où on était, enfin, avant le 7, du coup. Ou pas, je sais pas. On va voir de toute façon. Ah, mais de toute manière, si on est encore avec Ethan, c'est que de toute manière, le 7 et le 8 sont étroitement liés. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Ça se voit, c'est les poupées du Moyen-Âge, là. Quand t'étais riche, t'avais des poupées comme ça. Quand t'étais pauvre, t'avais des poupées en chiffon, sans yeux, sans tête, sans... Si, avec une tête, quand même. Mais, voilà. Attendez, je vais juste voir là-bas. Et ça, il y en a certains qui trouvent ça super classe, tu vois. Qui pourraient les mettre sur leur... sur leurs étagères, pourquoi pas. Alors que pour d'autres, c'est ultra anxiogène, tu vois. T'imagines, tu dors, tu te réveilles, tu vois des poupées comme ça posées partout là. Aucune expression, quoi. On dirait Salazar de Resident Evil 4, là, le petit là. El Salazar. Donc, interagir. Donc là, apparemment, c'est des bandes de chiffon, donc ciseaux. Je me trompe tout le temps de touche. C'est quoi la touche déjà pour se lever? Ah, je suis. Non. Ok, c'est C. Alors. Bon, au moins, il y a de l'espoir. Hein. Oh là là. Mia, de quoi tu parles? Il a raccroché en mode genre rien à foutre quoi. Il est même pas en mode ouais où est-ce que tu es? Non, ils sont fous quoi. Il t'a raccroché. Attends. Aucun respect quand même ces mecs. Parce que normalement, si t'es vraiment été à fond sur Mia, normalement il devrait faire où tu es? Où tu es? Là, il a raccroché en mode vas-y, j'ai pas que ça à faire en fait. J'ai perdu mes deux doigts, tu vois. Comme quoi. On n'a pas tous la même vie, quoi. Alors. Vas-y, ouvre-moi ça, là. Et... Ouais, comme par hasard, je pouvais pas l'ouvrir jusqu'à qu'elle disparaisse, hein. Vas-y. Donc, normalement, on peut couper ça avec le ciseau. Pas ouf, hein, pas ouf. Je m'attendais à mieux. Hein.
Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Son de femme qui pleure .mp3. Donc voilà. Donc faut encore interagir des. Je sais même pas ce que j'ai fait, mais ok, ça marche. Le puits maudit. Là, ça me saoule parce que, comme j'ai dit, je peux pas me protéger, tu vois. Quand t'as quelque chose pour te protéger, au moins t'es tranquille. Bon. Du coup, faut aller dans le puits, hein. À l'ancienne. Ok, donc ça c'est pour du coup. Voilà, c'était quoi ce bruit? Oh, vas-y, mais faites taire cet enfant! Par-delà moi. Ça a changé ici là. Les cris d'enfants là. Ah, comment ça? Ah! Après, c'est fait exprès que c'est désagréable en fait. C'est pour en fait alerter bah, du coup les parents qu'il y a un problème pour qu'ils puissent vite prendre en charge l'enfant. Pour ceux qui ne le savaient pas. C'est pour ça qu'ils ont. C'est pour ça que c'est insupportable en fait. Alors la psychologie me dit que quand tu répètes plusieurs fois que tout ira bien, c'est que ça va pas bien du tout. Hein. C'est comme quand tu dis ouais, garde espoir, c'est qu'en gros en fait il y a une chance que ça marche pas, quoi. Alors, c'est fermé, ouais. On va se barrer de là. D'ailleurs la poupée a disparu là, le mannequin. Ce truc, mais j'ai rien en plus pour me protéger. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que peut-être que je dois le. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense que je dois mettre le truc dans le compteur avant de me faire choper. Vite, 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 vite. Si! Quoi? Je me pose 2 secondes. Oh là là! Je bois un peu. Dans le relief d'un enfant, où je dois le mettre? Est-ce que je peux ouvrir ça? Non, mais le courant.
Ah, c'est pas ouf. Ah, ici, oui. Voilà. Donc il faut trouver un fusible maintenant. S'il n'y a rien, ok. Ah, les monstres comme ça, c'est tellement gênant. Tu vois un gros truc comme ça là qui te tape poursuite, quoi. Tu vois, à la limite, je préfère Dimitrescu, tu vois, c'était un peu plus. Tu vois, il y avait quelque chose au moins. Ah, un truc tout gluant comme ça, bon. Donc là, je pense que je vais encore devoir faire un truc pirate pour esquiver, je pense, quelqu'un. C'est chaud quand même là. Mais comment je vais faire pour le... Bon, c'est le seul truc que j'ai trouvé à faire. Il fait du breakdance ou quoi avec sa tête? J'avoue que j'étais même pas au courant que je pouvais me cacher. Là, c'est sur le coup de l'instinct que je me suis caché. Je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Je peux pas faire de détours, de trucs étranges, tu vois. J'attends quand même un peu. C'est donc jamais. Bon, ça va, la carte, elle est pas si compliquée que ça. Bon. Je pense que je peux sortir. Vas-y, 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 vas-y. Non, il arrive. Merde, merde. Oh. Non, il va me bouffer.
Oh, mais c'est chiant! Mais pourquoi je pouvais pas... Vas-y! Oh! Je comprenais pas là, normalement j'ai tout mis. Est-ce que je dois encore me cacher? Parce que là, normalement... Normalement, c'était bon. Vas-y. Vas-y. Le truc est fermé. Essayer de retourner là où j'étais avant. Je vais aller ici et je vais le faire une petite feinte de corps, tu vois. Et après, je vais aller rallumer, je vais essayer de rallumer le truc. J'aime pas en plus son bruit là, dégueulasse. Vas-y, viens là. En plus, dans le noir, c'est tellement gênant. Vas-y, 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 je me barre. Vas-y là, allume. Vas-y! C'est la street, ça, c'est la street. Lui, ça aurait été un caïd dans la street, Ethan. Ethan AK, on l'aurait appelé le Playmobil d'or, quoi. Bon. J'ai joué à Où est Charlie? Hein? Je répéterai jamais assez. T'inquiète pas. Waldo en sueur, quoi. Ouais, je l'appelle Charlie, je l'appelle Waldo, je l'appelle n'importe quoi.
pense que le temps est vraiment compté en fait. Ouais, je pense que le temps est réellement compté là, en fait. Bon. Ah ouais, je peux même pas me régénérer ou quoi. Mais elle lui ressemblait à fond, t'aurais dû lui mettre un coup de pompe direct. Charline ne t'a-t-il donc rien appris? Et plus ils bougent, plus ça veut dire qu'ils vont m'attaquer. Donc en fait, c'est pour ça que le temps est compté en fait. Ah, ils vont m'attaquer là, ils vont m'attaquer. Eh merde. Prends la tête. On est à 2-2 là. Rose aussi tu lui fais ça. Ah d'accord. Quel sadique celui-là. Je suis dans le rouge là. Non mais j'ai l'impression que je peux même pas la trouver avant. Je vais faire le tour hein. Ah elle est là, si elle est là. À côté, elle avait l'air jolie quand même, non? Enfin, peut-être. Je sais pas, hein. Je sais ça comme ça. Il est temps de quitter cet endroit. Par contre, la clé n'est pas ouf. Alors. C'est elle qui faisait tout ça? Et vous deux. Ouais, mais j'ai plus les objets. Ah, si, ça va. Ça fait plaisir. D'ailleurs, RVST Tri-Re. Non? Bonsoir, RVST Tritox, pas re. Comme si je l'avais vu il y a 2 minutes, quoi. Alors, je dis très vite. Mais moi, la peur me fait rire en fait, donc automatiquement je suis pirate quoi. C'est pour ça que parfois les gens ils aiment pas, ils disent ouais, mais arrête de jouer à des jeux d'horreur, toi tu rigoles, on sait même pas. T'arrives pas à nous faire communiquer la peur du jeu.
Bon, là, ça va à peu près, je pense. Alors, je bois un peu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se régénérer un petit peu. N'a rien pour ça. Pourquoi de quoi? Point d'interrogation. J'ai pas suivi. Donc là, on a récupéré deux bocaux. Donc il nous reste que deux nobles à trouver, mais je pense pas qu'on va faire les deux nobles aujourd'hui. Peut-être on réussira à finir un troisième. Ah ben je sais plus ce que j'ai dit. Ah faut entendre sur le coup. Hein. J'ai peut-être dit que l'autre là à côté de la poupée là qui est apparue, elle était pas mal, tu vois. Après j'ai dit j'en sais rien, j'ai pas vu. Donc moi de toute façon pour moi tout est pas mal. Quand on voit mal, voilà. Quand on voit mal c'est pas mal au final. Quand on voit mal, c'est pas mal au final. Donc faut vraiment que j'arrête de faire des rimes comme ça là, des rimes impromptues. Alors. Donc avoir le vendeur là. Celui qui apparemment mange pas mal. D'ailleurs, bon, je sais que je l'ai déjà dit, mais faut savoir que, comment dire, à l'époque. Oh, merde, il y a un truc. Je finirai ma phrase dès que je les aurai flingués, là, ceux-là, parce que. Vous savez quoi? À l'ancienne. Attends. Quand je dis à l'ancienne, ça va être vraiment à l'ancienne. Vous savez quoi? Allez, au couteau. J'aurais pas dû. Non, je vais plutôt. Non, plutôt. Ouah, vas-y. Mais vas-y! Et il va me tuer. Je vais me faire tuer par des vieux zombies nuls là. Honteux. Ah, j'ai plus de balles, c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre, il y a eu le temps de m'avoir alors que j'ai appuyé. Utiliser. Équiper. Vas-y là. Alors, je disais quoi là? Je disais ouais, d'ailleurs, en parlant du vendeur là qui est apparemment obèse, faut pas oublier qu'au 18e siècle, même avant, être corpulent, je vais pas dire obèse, mais on va dire être joufflu, c'était signe d'être riche en fait. Puisqu'à l'époque, tout le monde ne pouvait pas manger à sa guise en fait. C'est-à-dire quand t'étais, disons les termes, quand t'étais gros, ça veut dire que t'avais bien mangé, ça veut dire que t'avais. Du coup, l'argent pour pouvoir t'acheter autant à manger, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, sur les tableaux, la plupart des filles qui étaient représentées, bah, c'était des filles plutôt rondes. Parce que quand t'étais plutôt ronde, bah, ça veut dire que t'étais, enfin, bah,
que tu avais l'argent pour manger autant, et du coup, c'était symbole de richesse. Voilà. Je vous apprends des petits trucs comme ça, tout en jouant. Ça me fait penser à ça. En tout cas, voilà, faut pas... En fait, faut toujours remettre le symbole de beauté par rapport au temps. Et là, tu vois que le symbole de beauté, c'était surtout par rapport à l'argent, en fait. Enfin, bref. Alors là, il y a un trou pour mettre quelque chose. Non. J'ai pas encore le truc, je pense. Ah, la clé du luthier, ça c'est bien ça. Parce qu'il y avait une maison que je pouvais pas ouvrir, pour ceux qui s'en souviennent. Enfin, je dis ça parce que le nombre de personnes qui n'ont pas confiance en eux et qui automatiquement, comment dire, disent ouais, il y en a certains, comme ils sont assez corpulents, on va dire comme ils sont assez gros, automatiquement ils ont une mauvaise image d'eux. Parce que la société leur dit qu'en fait, bien évidemment, comme j'ai dit, la beauté évolue à travers le temps, donc en réalité, c'est pas quelque chose de fixe. Donc à partir de là, tu peux te dire qu'en fait, ça sert à rien de suivre non plus la société sur ce symbole-là, tu vois. Puisque chacun a ses critères de beauté. Voilà. Bon, je vais pas non plus faire un... Attendez, deux secondes. Ouais, non, j'ai pas encore le truc. Attends, je vais tester quand même les autres trucs que j'ai, hein, on sait jamais, parce que... Il y avait un truc comme ça que j'ai même pas pu ouvrir quand j'étais chez Dimitrescu, là. Donc je préfère être sûr. On va essayer volant, non? Ouais, je sais pas, laisse tout. Mais voilà, mais après c'est pas faux, hein. Là aujourd'hui, c'est plutôt les personnes minces, etc. Alors moi, mon hypothèse, c'est parce que quand t'es mince, quand t'es svelte, tout ça, ça veut dire d'un côté que tu as du temps pour prendre soin de ton corps également. Ah là là. Bon, il doit aussi y avoir un truc économique derrière. Mais j'ai pas encore penché sur le sujet. Parce qu'on va pas se mentir, tout ce qui est au niveau de la société, il y a toujours quelque chose d'économique derrière. C'est pour ça que être touché par ce que la société dicte, parfois c'est idiot quoi. Moi je suis comme je suis par exemple et je m'en fous en fait. Mais si la société dit ah c'est pas bien, ben, je dis ouais ok, je m'en fous. C'est pas mon problème. Et j'ai pas que ça à faire, tu vois. Mais bon, après, il est vrai. Attends, deux secondes. Ouais, bah la forme. Bah, j'ai rien qui est pareil que le trou de toute manière là. Bon, après, vous savez que j'aime bien parler de trucs comme ça, parce que voilà, ça fait... c'est toujours bien d'apprendre des petits trucs. Après, bien évidemment, c'est mon avis, donc certains ne seront pas d'accord, d'autres seront d'accord. De toute manière, le but, c'est pas de rendre d'accord les gens, c'est de... d'apporter aussi... Ah ! Je l'ai pas vu ! Ah ! Mais vas-y, le gars... Et vas-y, je suis mort là, je suis mort. Ouais, il se casse la terre. Casse la tête. Non, mais voilà, c'est toujours bien d'apprendre. En fait, d'apporter une réflexion derrière. Également. Moi, ouais, j'allais dire, après, l'humain est sociable de base. Hein, j'ai dit de base. Mais par rapport à ce qu'on a vécu, ben, certains seront plus sociables que d'autres. Ouais.
Bon. Ce qui est chiant, c'est quand t'as totalement oublié ce que t'as pas pris en fait. Bon, cette fois-ci, je vais juste utiliser mon pistolet, je pense. Normalement, il y a quelqu'un qui va arriver là. Il est censé y avoir des monstres ici, je me souviens. Là, ça va être du Call of Duty mode zombie. Ah, ça date Call of Duty mode zombie. Black Ops, tout ça, là, pour ceux qui s'en souviennent. C'était tellement ouf. D'ailleurs, le jeu a fait un bond énorme parce que les gens kiffaient le mode zombie. Wouah, ça sert bien ça. Ça sert d'être une arme pas mal, franchement. Ouais, je peux pas continuer là-bas parce que c'est bloqué. Est-ce qu'il y a un moyen de passer? Peut-être par là. Non, c'est pas là. Voilà. Il y a un truc à utiliser ici. Juste 2 secondes, j'essaie de comprendre. Alors, moi, je me dirais que c'est peut-être la tête qu'on a trouvée. Je suis pas sûr. D'ailleurs, je la vois pas. Ah, je peux pas encore le faire pour le moment, je pense. Je vais quand même essayer d'être le truc, sait-on jamais. Ah, puis il faut ce étrange collier avec les. Ah vas-y, tu m'as saoulé. Je vais continuer la route. On va aller voir l'autre là, comme j'ai dit, le fameux vendeur. Mais bon, en tout cas, c'est assez marrant de parler de l'époque. Ouais, non, mais non, on est déjà parti là. En fait, en replaçant les choses dans l'époque, on arrive à mieux comprendre dans le monde dans lequel on vit réellement, tu vois. Voilà. Parce que, bien évidemment, le monde, c'est pas bisounours, hein. Faut arrêter de croire ça. Faut toujours rester... En fait, faut pas faire confiance à n'importe qui, tu vois. Faut toujours garder
un pied à terre, si je puis dire cela ainsi, tu vois. C'est-à-dire avoir... Attendez, j'ai... Oh là là! J'ai tous les flingués. Ça, je sais pas si ça se décroche, mais je pense pas. Non. Ah, ouais. Trop bien. Bon, après, tu dis tout à l'heure quand tu nous apprends des choses, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui n'aiment pas apprendre, en fait. C'est pas qu'ils n'aiment pas apprendre, c'est qu'ils n'aiment pas se poser des questions, en fait. Mine de rien, dans mon stream, je vous impose ça, du coup, puisque c'est moi qui en parle, tu vois. Mais bon. Alors, on va revoir lui, là. Lui, par exemple, ça se voit que c'est quelqu'un de super riche. Enfin, en tout cas, dans le monde dans lequel ils vivent. Parce que c'est pas seulement une histoire d'âge, tu vois. Alors moi, je parle du 17e, 18e siècle, tout simplement parce que c'est notre vie, enfin, c'est notre monde. Là, ça dépend également de la culture, quoi. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Elle me dit ça, après, il me demande des trucs. J'ai du nouveau en stock. Ah oui, c'est normal que vous soyez intéressé par cela. Ouais, tu me fais peur. J'étais sûr que vous achèteriez cela. Ouais, donc là faut des trucs, ouais. Bon, on va essayer de vendre des petits trucs comme ça, hein. Ça non, il faut le combinable, ouais. Donc ça je me touche pas.
j'achète. Vous avez assez de puissance de feu? Si vous voulez, je peux encore améliorer vos armes. Lui à 760 alors qu'il n'y a même pas... Donc en fait, je peux vendre donc le bazar. Enfin, non. Non, c'est ça. Envie. Et je peux vendre normalement pas lui. Lui. Pas d'inquiétude, vous pourrez toujours me racheter ça. Laissez-moi faire. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. J'avoue, ça, quand je le vois, c'était exactement ce que je me posais cette question dans ma tête, tu vois, parce que, évidemment, je me pose aussi des questions sans parler. Et je me disais, quand même, le mec, il arrive à modifier des armes alors que quand tu le vois tu te dis mais t'es un flemmard quoi, et mine de rien on voit quand même ses capacités à modifier des armes de manière à rendre tout puissant quoi. Bon, cadence de tir, voilà, bonne journée. Alors maintenant ouais, la clé, on peut aller voir une fameuse maison. Comme vous pouvez... Oh, il y aura des ennemis. Ça s'entend. Alors, c'était... C'était où déjà? Je pense que c'était... Oh là là, je vais devoir me retrouver, ça va être chiant. Donc là, si j'ai bien compris, c'est rouge parce qu'on peut pas l'ouvrir. Et là, il faut que je retrouve en fait la fameuse maison là. Même il disait ouais, il manque la clé de je sais pas qui là. Non, c'est pas par là. Tiens, ici, il y a un truc à faire. Ouais, j'en étais sûr. Après, combien de PV lui? Ah, je vais charger. Je lui ai mis un chargeur dans la tête. J'ai fait comme ce que Chris a fait à Mia, tu vois. Bon. C'est pas par là. Je suis jamais parti là.
Recule, recule, je veux pas te tuer. Alors. Je sais que je pourrais me faire de la nourriture en tuant les poules, tout ça, mais... Voilà, j'estime que ils ne m'ont rien fait. Donc il est inutile de les tuer. Ok, là c'est trouvé. Par là-bas. Voilà. Oh là là, ça va être chiant de retrouver le truc. Ok, c'est pas par là. Ah, je hais ce village, quoi. Ce village, il est... Il n'a aucun sens, quoi. Des trucs bloqués de partout. Faut faire des détours de malade pour aller dans un endroit. Apparemment, il y a un truc à trouver. Que j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Et les phases de recherche, je déteste ça quand tu trouves pas parce que c'est... Moi, personnellement, ça commence à me faire mal au crâne à un moment donné. Ça utilise énormément d'énergie. Alors, du coup... Je me souviens qu'il y avait une maison où... comment dire... Où le mur était explosé et du coup, grâce à ça, je pouvais aller à un autre endroit. De toute façon, on va le trouver, vous inquiétez pas. Du coup. Oui, le labyrinthe, quoi. Bon, toi, tu es rentré de t'endormir, je suppose, mais bon. De toute façon, j'ai vers 2 heures, voire 2h30, j'arrêterai. Hein. Pas comme ça, au moins.
Oh là 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 là. Là, au moins pour ce soir, j'ai envie de retrouver le... la fameuse maison. Elle est rouge, donc il y a un truc que j'ai oublié dans la maison. Ah, ça m'énerve aussi, là, ce genre de truc. Ouais, et en plus le fait qu'il fasse noir, c'est encore pire quoi. Ça t'explose les yeux. D'accord. Voilà. Donc, si on va par là, c'est bloqué. Et donc, si on va par là, normalement, on devrait arriver bientôt à l'endroit que je recherche. Voilà, c'est par là. Donc là, yes, voilà, c'était ici. Et donc là, cette maison là, pour l'ouvrir, il me fallait cette clé que j'ai. Voilà. Lire un truc comme ça, tu vois, je suis toujours triste, tu vois. Tu te dis, à un moment donné, il vivait heureux, quoi. Bon. Ouais, je dis ça en mettant des coups de couteau dans le truc, hein. Donc, comme quoi... Yes, je sais c'est quoi, je suis pas débile. Non, c'est pas ça que je voulais. Trésor, donc. Voilà, et là, c'est des trucs de grande valeur, du coup. Alors, maintenant, on va juste avancer un petit peu là où il y a le troisième noble, et on sauvegardera juste ensuite. Comme ça, au moins, on saura
on saura à quoi on s'attendra le stream suivant. Ah bah oui, non. Bon, allez, on va voir ça. Directement. Franchement, il n'y a aucun... Aucun répit. Voilà, je suis déjà dans la merde, quoi. Mes blessures sont graves, j'en ai plus pour longtemps. Je peux l'entendre rôder dehors. Il a à peine bronché quand je lui ai tiré dessus. J'ai l'impression qu'il joue avec moi. Cette chose n'est pas un loup ordinaire. Merde, j'y étais presque. Si seulement j'avais atteint la cabane du moulin à eau, j'aurais pu tuer cette chose avec l'arme qui s'y trouve. Mon Dieu, j'ai tellement froid. Mes jambes ne répondent plus. Pardonne-moi, Louisa. Alors, du coup, moi, ça, je vais pas dire ça me fait rire, parce que à un moment donné... tirer alors que les gens ils meurent, à un moment donné il va falloir t'enfermer toi. Mais je veux dire, quand même le mec, il trouve quand même le temps d'écrire où on peut trouver l'arme. Donc soit il savait que quelqu'un allait tomber dans la même merde que lui, ce qui fait que c'est très gentil de sa part, soit j'en sais rien quoi. Enfin, on va essayer quand même d'avancer du coup jusqu'à trouver une autre sauvegarde. Il rôde. Le loup rôde dehors. Donc en fait, le but là, c'est... Vous connaissez le loup? Enfin, le jeu. Hein. Mais là, c'est pareil. Sauf que là, c'est une... Je vais pas dire que c'est dans la réalité. Hein. Faut que je cours jusqu'au moulin avant que le loup m'attrape, quoi. Sauf que là, c'est pas un jeu, hein. Enfin, c'est un jeu, c'est Resident Evil, quoi. Mais là, en fait, il m'attrape. Donc le moulin, il est où? Le moulin. Donc, je pense que je dois passer de maison en maison en fait pour pas me faire attraper. Donc là je vais devoir courir jusqu'à la prochaine maison sans me faire attraper quoi. Uh-huh.
comment je fais pour me passer? Il m'attend là. Ok. Oh là là. Donc là, faut aller à la troisième maison. Et là, il va falloir tracer. Hein. Trace ta route, comme on dit. Oh là là, où est-ce qu'elle est là? C'est le loup ou pas lui? Je sais pas si c'est le loup en fait. Non, c'est pas le loup. Merde! Oh, j'ai même pas eu le temps de lui tirer dessus là. Vas-y là, tu me fais repérer. Connard. Je crois que c'était le loup là. Connard. Tu comprends? Il va me faire repérer ce con. Ah mais oui, je me souviens d'ici. Parce que là, il est proche. On l'entend. Ouais, d'accord, je vais devoir passer par là. Volaille. Le moulin, est-ce qu'on. C'est là! Ok. Ouais, oh là là, je vais devoir courser là. Ah, je crois que je suis mort là, Ah là, c'est mauvais là. Je pense que je suis allé trop vite en fait, j'étais trop gourmand. Il voulait arriver très vite là où il fallait. Oh là là. Donc faut que je rentre dans une maison à proximité. Non, c'est pas ça.
Faut que j'attende qu'il s'éloigne. Et là, je vais devoir rentrer dans le truc là, mais... Il me saoule là. Je sais pas s'il est loin ou pas, tu vois. Il m'énerve lui. J'en ai marre, j'ai même pas le temps. Je sais même pas par où je dois passer là. Là-bas, c'est tout classé là. Merde, il va me choper là. Je suis pas caché. Je peux rien faire. Ouvre! Ouvre! Ah là là! Ah bah je suis dans la maison. C'est bon. On est là. Comme on dit. Je vais me remettre ça. Non, je vais en faire un raccourci plutôt. Bon, on flingue ce loup et après on va sauvegarder, on arrête.
Viens là, vas-y, viens. On va mourir ou quoi? Viens! J'ai plus de balles. Mais t'es sérieux? Comment je vais faire? Vous êtes sérieux? Ah, il est mort. Ça va, j'ai eu de la chance. Petite mine anti-personnel là qui m'a sauvé la mise. Bon allez, je vais aller sauvegarder moi. Alors, où est-ce qu'il y a une sauvegarde? Ok, bon, allez, je vais aller y retourner là-bas. Et on arrêtera là. Bon, je vais quand même aller le voir 2 secondes, lui. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Oh, j'y réponds trop de plaisir là, comme toi. T'inquiète, j'ai juste acheté des trucs, hein. C'est un investissement, Ethan. Oh. Où avez-vous déniché une chose pareille? Manger, c'est vivre. Vous allez faire un malheur avec ça. Ah oui, c'est normal. Voilà, on se met bien. Ah, vous avez hâte d'essayer ça? Allez, je vais aller sauvegarder moi. À la prochaine fois. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. On ira voir la suite demain. Demain, si tout va bien. De toute manière, je vais mettre toutes les parties de Street of Rage. J'ai vraiment un souci, moi. Toutes les parties de Resident Evil Village, je les mettrai sur YouTube. Faut que je mette la partie 1 et 3 déjà. Si Vegas ne crache pas, hein, bien évidemment. Mais comme ça, du coup, ceux qui veulent revoir, ils pourront voir en très bonne qualité. Hein. Meilleur que sur le stream. Hein. Attention, c'est pas rien. Hein. T'as vu le gars comment il vend? Bon, allez. Quittez le jeu.